À Cotsa, Noémilie, nous sommes à 740 mètres d'altitude, il y a 300 habitants, et c'est définitivement sous le signe de l'énergie qu'est placée cette première étape de la visite du ministre Nicolas Hulot. L'énergie du maire d'abord, Jean-Jacques Ciccolini, celui qui l'accueille, est un enthousiaste du développement durable et solidaire, à l'affût de toutes les innovations au service de l'écologie et de l'égalité. Microcentrales électriques, chaufferies à bois, panneaux solaires. Le ministre a dit qu'il était bluffé par ce village de l'intérieur qui, dans quelques mois, sera à énergie positive, c'est-à-dire qu'il produira plus d'énergie qu'il n'en consommera. Énergie positive, mais pas seulement. Au moment où il est arrivé, Nicolas Hulot est salué par le député Paul-André Colombagne, à qui il dit en insistant avec la main « Ne sois pas inquiet de ce que tu as lu dans le journal, j'ouvre des pistes ». La piste, c'est celle de l'incinérateur que Nicolas Hulot a cité à propos des déchets. L'inquiétude a été dite. Dès demain, d'autres sujets d'inquiétude des élus et des associations attendent le ministre Nicolas Hulot. Où en est le projet de centrale à gaz? Y a-t-il des risques pour la loi littorale?